Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour s'occuper du châssis du Yamaha KT100. Donc j'ai pu tester le moteur en extérieur sur le circuit à Champforgeuil, donc à LKS. Donc je suis quand même content du moteur et de mon travail parce que c'est un moteur qui fonctionne bien malgré le fait que j'ai pété le joint de culasse. Je prends à peu près entre 14 000 et 15 000 tours. Franchement, agréablement surpris. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du châssis. J'ai regardé, j'ai contrôlé, il n'y a pas de plat, pas de torsion bizarre, donc le châssis est bon. Pour ensuite tout remonter à neuf, faire les réglages. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, on peut passer au démontage.
Bon, du coup, le KT100 avance pas mal. Je fais cette petite interlude parce que je sais pas si je vais avoir le temps de filmer. En gros, il est déjà vendu. Je sais même pas si je vais avoir le temps de finir de mettre les pontons. Normalement, si, peut-être qu'il va rester 2-3 petits détails. Désolé, mais voilà. Wanna